Et salut YouTube, la suite de Ni no Kuni, on est parti. Faut vite qu'on trouve un moyen de parler avec la Soltoran. Attends, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans là? Elle veut quoi la dame Hibou? Ah bonjour, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? As-tu essayé de mélanger les babanes et du lait et du yaourt? C'est très appréciable, Malmö. Désolé de changer de sujet, madame, mais j'ai une question à vous poser. Voyez-vous quelqu'un ici en ville qui aurait de la tempérance à revendre? Ouh, quelle étrange question dans le désert. Ouh, tout le monde fait preuve de grande tempérance. Ouh, il en faut pour survivre sous le désert, soleil. Brouh. Elle n'a pas tort. Mais ça ne nous aide pas beaucoup, hein? Essayons de savoir si quelqu'un n'aurait pas une idée plus précise, Dak. Entendu, monsieur Lumi. Merci, madame. Ok. Je pensais qu'elle allait nous donner une quête, mais pas du tout. Pas du tout de quête à nous donner. Ah. Est-ce que ici? J'en doute aussi. Bonjour, monsieur. Nous sommes à la recherche d'une personne qui aurait plus de tempérance qu'une pie dans une bijouterie. Vous auriez une idée? Vous quoi? Oh, vous voulez dire que vous cherchez quelqu'un qui soit capable de réprimer ses envies et de résister à la tentation? Si vous aviez bien été à la recherche de quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur ses envies, j'aurais pu vous répondre sans hésiter. Mais franchement, certaines des demandes qui m'arrivent du palais sont vraiment... Désolé, c'est très indiscret de ma part. Voilà qui est très décevant. Je pensais qu'il y avait bien un endroit où on était au courant de tout. C'était ici. Tant pis, vous servez à rien, monsieur. Merci, monsieur. Manque un. C'était là où il y avait la petite étoile. Et on n'y est pas allé. Alors que c'était guidé. Ouah, quelque chose vous tracasse? Eh bien, si vous avez peur de... ne pas être assez équipé pour le désert, vous avez frappé à la bonne porte. En fait, on a un petit souci. On a besoin de quelqu'un qui fait preuve d'une grande tempérance. Mais personne ne nous renseigne. Ah, vous n'avez pas pu vous adresser aux bonnes personnes. Moi, quoi, j'ai trouvé. Ah oui, sérieux? Qui est-ce? Je vous en prie, dites-le nous. Va chier, bien sûr. Sa patience me cloue le bec. Va chier? Oui. On m'a raconté une histoire aussi assez éloquente sur lui. C'était il y a quelques années de ça. Un jour, la Soltoran a décidé sur un coup de tête qu'elle sera satisfaite une fois qu'elle aura goûté tous les fromages du monde. Elle s'est arrêtée au comté. Et c'était le meilleur fromage du monde. Des fromages. Elle a les mêmes goûts que Madame Eugénie, hein. Sans hésiter un seul instant, va chier est parti en quête de tous ces fromages. Il a traversé les forêts et les océans. Il a affronté les vents les plus violents à plusieurs reprises. Il s'est dit que son projet battait de l'aile. Mais il a fini par rentrer au nid. Et il a ramené un chariot contenant tous les fromages qui pouvaient exister. Je ne vous raconte pas l'odeur. Ça pue. Moi, qu'est-ce que j'appelle de la tempérance? Et il en a sacrément besoin avec sa majesté qui n'arrête pas de piailler. C'est pour les popettes. Si c'est pas impressionnant ça, il a risqué sa vie et tout... pour qu'une tête cornée puisse déguster son petit encas. Tip top, je crois qu'on tient le trône, notre petit Ryublodawa. Ah, génial. On dirait... on devrait aller le voir tout de suite. Par contre, je m'appelle Oliver, pas... Blablabla. Allons voir Vachier. Alors, Vachier, ça c'est à moi. Ce qui est très marrant, c'est que là, c'est les mêmes touches que en combat où ça double-clique sans raison. Et là, ça marche nickel. Je comprends pas. Pourquoi en combat, ça pète des câbles? Alors, il est où, va chier? Ouh, c'est grand. C'est immense, même. Et magnifique. Et sublime. Va chier. Il est là. Attends, il n'y a rien autour...
du lit magique. Rien du tout. Ah, mon collier. Vachier. Bonjour, monsieur Vachier. On a trouvé quelqu'un qui a énormément de tempérance. Et c'est vous. Eh, vraiment? Ah, c'était quoi sa voix déjà? Ok, excellente nouvelle. Alors dites-moi qui est-ce. C'est vous. Oui. C'est impossible. Mais si, c'est parfaitement possible. Regardez la fiole du petit Oli. Elle brille comme jamais. Est-ce que vous nous laisseriez prendre un peu de votre tempérance, monsieur Vachier? Eh bien, je... Bien sûr que oui. Je ferai n'importe quoi pour sa majesté. Que dois-je faire? Rien du tout. Détendez-vous, fermez les yeux, penchez-vous, et pensez à Almalmeux. Bah alors, au boulot, mon petit Oli. D'accord, c'est parti. La tempérance. Tip-top, finito. Déjà? Et ça va vraiment suffire à rendre toute sa dignité à sa majesté? Sans aucun doute. Du fromage de montagne. Et rien que pour nous. Mais elle ne pense qu'à ça ou quoi? Même dans ses rêves, il y a du fromage. Mais ton petit Olivier, il est avec ta magie avant qu'elle devienne encore plus grosse. Oui, monsieur. Mais rien ne se passe. La tempérance. Va se calmer le huc.気分だわね。一体どうしたのかしら。女王様の心の病をこの者たちが治してくれたのです。これでもう女王様は食べる欲望から解放されることでしょう。あら、そう。でも相変わらず美味しいものは食べたい。Allô? Pourquoi elle est aussi loin? ないね。安心いたしました。これでババナシアも再び元の姿によみがえることでしょう。そうね。これで私もバリバリ働けそうね。女王様、この者たちにお礼をせねばなりません。いかがなさいますか? Ah, on veut en laisser passer, c'est vrai. Boya, nanika hoshii mono wa aru no? Un laisser passer. Oui, Jo-sama. Hitotsu dake onegai ga arimasu. Ara, nani? Fune o kashite hoshii desu. Ah, il a dit, il veut emprunter un bateau. Ah bah c'est ce qui est marqué. Ok. ああ、南の海に置いてたプカプカのことね。いいわ。どうせ使っていないし、プカプカはあなたにあげる。ビッキーニの管理人に力になってくれるよ。お手紙を書いてあげるわね。 Ah ouais? Elle est magique? ありがとうございます。お、儲けたな。でも、あなたのような坊やが海に出て、一体どこに行こうというの?
Ça ne vous regarde pas. Laissez passer Royal. Rien à foutre. Réponds pas. Non. あら。前に聞いたことがあるわね。はい。ですが、魔法が使われなくなってからはどこかに姿を消したと言われています。それであなたたちはその賢者様に何のご用なのですか? Parce qu'on aime tout ce qui est démodé. 賢者様に力を借りたいんです。黒い魔導士ジャボを倒すために。 C'est une amie de Jabo. Boya, son sunda hitomi wa honki da wa ne. Hontou desu ka? Kikitai desu. Kono sekai ni kenja sama wa 4 nin ita wa ne. Ça, on le sait. Kasa. Demo. Wat? Eh? Oh? Mou hitori no kenja sama wa 私の嫌いな軍隊の国、防具帝国にいるわ。 Ça aussi on le sait, non? かなりの美男子なのよ。 クラン! 何やこの番? これでミハなんか? これが賢者様。 これは完璧な手がかりができたやな。 Mais c'est qui? C'est son père. Ah merde. Ah oui, vous aussi vous êtes magicienne, votre majesté? Eh bien peut-être que pas une magicienne mérite, mais... nous, tête couronnée, connaissons quelques sorteries sur le volet. Le roi Sacha a certainement un ou deux atouts dans sa manche lui aussi. Ah ça oui. Il m'a appris des sorts très chouettes. Oh, comme c'est charmant. Nous espérons que tu trouveras les autres encore plus chouettes. Tiens. Naturalingua. L'Est. C'est parce qu'elle est grosse. Ah ouais. Et son tip-top de grand classique. Ah chier, ouais. C'est ton genre de chance, Oliver. Ouais. Oyaku ni tateta kashira. Ja. Et barrons-nous, lâchons du lest. Qu'est-ce que ça peut être? Même, attends. La langue naturelle permet de parler aux animaux et aux plantes. Aïe. Toujours là, ce con là. Il n'existe plus pour nous. C'est fini. C'est fini. Oula. Rapide dans le virage, oui. Bonjour. Vous pouvez bien l'être. Je parie qu'ils sont encore en train de traîner au chemin. T'attends quelqu'un? Oh non, pas quelqu'un. J'élève des pigeons. Ils sont eux que j'attends. Je les ai emmenés porter un message à l'autre bout du pays, mais malheureusement, plusieurs d'entre eux ne sont pas revenus. J'ai peur qu'ils n'aient décidé de quitter le nid. Oh mince. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Non, ce n'est pas la première fois. Ils sont probablement en train de désaltérer dans la fontaine de lait. Mais j'ai d'autres messages à leur confier. Si tu as un peu de temps, tu crois que tu pourrais retrouver vers moi? Non, je me casse. Mille merci. Je partirai volontiers à la recherche des retardataires, mais je dois rester ici au cas où ils reviendraient. Au total, trois de mes oiseaux se font encore attendre. Ils sont probablement tous rentrés à Almameu à l'heure qu'il est.
Je suis sûr que tu les trouveras quelque part dans la ville. Le grand monarque, c'est l'amiral du peuple de Phyllis en charge, mon petit. Tes copains à plume seront de retour avant que t'aies eu le temps de dire pigeon vol. Merci. Non. Non, 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 non. Lumi, tu te démerdes. Sur le coup, t'es tout seul. Moi, je me casse. En bateau. Funéo cacheté. C'est moi ou c'est un shiny là-haut là. Ah, c'est l'évolution d'une versinette. Qu'elle a la gueule un peu quand même. Mon bras de micro fait un peu nain. Oula oula douce. Ok. Tout le monde. Ah, le chenapan, je le veux bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que on est plus fort qu'eux. Et on fait pas assez de dégâts. Allez, démonte-le. Ok, il a démonté. T'es complètement trompé dans toutes les touches là. J'ai bientôt plus de batterie. Oh, Puck évolue. Puck, la lune. Oh, elle a des yeux. Ignoble. Il est ignoble. Ignoble du cul. Attends, elle est 99. Elle est cheatée. Trop de dégâts m'a fait. On n'avait rien. On n'avait rien. On a 2-3 quêtes sans intérêt qui traînent, mais... C'est thématique. Ah, l'abordage. Commençons par le commencement. Filons dire à ce capitaine que nous sommes de retour, Dak. S'il nous laisse grimper sur le navire directement, on n'aura pas à se mettre en maillot de bain, hein. Ah, vraiment? Ah, c'est dommage. Je commençais à bien aimer le mien. J'ai hâte d'arriver là-bas. De tendre ce laissez-passer royal et de montrer au capitaine Craner qui est le chef. Allons-y! Nous avons l'indice nous permettant de trouver le prochain grand sage. Nous sommes fin prêts. C'est drôle quand même, non? Que quelqu'un d'aussi jeune puisse être un sage, et tellement plus jeune que mon père. Et bigrement plus beau, parce que ton père est vraiment dégueu, hein. On doit se rendre tout de suite à Kassler. Venez, allons voir le capitaine. Elle a rien dit sur son père à la phase de cul. Ça c'est pour moi, merci beaucoup. Encore lui? Oh non! Le portrait, il a disparu! Quoi? Et laissez passer aussi! Il les a volés tous les deux! Saperlotte! C'est un sacré casse-pied, celui-là! Venez, on ferait bien de se lancer à sa poursuite! Clodo! Reviens, Clodo! Ah, ça me fait penser à un truc! On n'a pas dormi
à l'auberge d'Almalmeux. Je crois qu'on y retourne. Oh le bâtard! Regarde, c'est lui! Je t'ai dit de te mettre ce bateau en route. C'était quoi ça va déjà? Le laisser passer ne t'appartient pas. Je te connais, voleur. À qui l'as-tu pris? On s'en fiche. Vous que là. Et laisse-moi monter à bord. J'ai laissé passer. Ce qui veut dire que je peux embarquer. Je connais mes droits. Bon, tu m'emmènes à Otomia ou pas? J'attends. Tout doux, l'ami. Inutile de t'agiter autant. Qu'y a-t-il de si urgent qu'il ne puisse attendre des vents favorables? Je dois le retrouver. Je dois l'avertir. Le retrouver? Qui c'est celui? Écoute, je dois juste aller là-bas pour aller voir quelqu'un. D'accord? Il fait n'importe quoi. Alors je dois y aller pour lui montrer comment veille. Allez, emmène-moi là-bas. Tu es connu dans cette ville. Pourquoi je laisserai quelqu'un comme toi monter à bord de mon précieux navire? Ça pue. Écoute, il faut que j'y aille, compris? Si quelque chose lui arrive parce que tu refuses de m'y conduire, tu s'en souviendras longtemps. Épargne-moi tes menaces creuses et dis-moi plutôt ce que tu parles. De ce quoi, hein? Pourquoi veux-tu que je t'emmène voir? Ah, mais c'est pas tes oignons. Ferme-la et fais bouger ce navire. Stop! Rendez-nous nos affaires! Salopard! Malédiction! T'es encore toi? Tu es revenu, jeune homme. Ravi de te voir. Une seconde. Le laissez-passer royal, il est à toi? Oui, capitaine. Il nous l'a volé. C'est bien ce que je pensais. La Sultora n'accorderait jamais un tel privilège à un voleur de bas étage. Du vent, le pouilleux. Ça veut donc dire que tu refuses de m'embarquer? Mais, tu ne comprends pas? Je vais sauter. Tu ne vois pas que je fais tout ça pour lui? Je dois rejoindre l'Empire. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Attention, petit Oli. Il y a quelque chose qui cloche, là. Et cette brume noire? C'est un autre cauchemar! Un cauchemar? Oliver, mais qu'est-ce que ça veut dire? Fais attention, Myrta! Il va attaquer! Quoi? Oh non! Ok. Alors, les cauchemars. L'enfer. Oh, il est différent. Cauchemar de Faco. Cauchemar de Fac. On va utiliser la magie. Bain de bulle. Ah. Bouge pas, hein. Ouais, c'est un peu efficace. Mais non! Oh bah c'est parfait. Bon, ça c'est, par contre c'est pas ouf. Ah. Oula, Myrta. La 49, c'est pas dingue. Ça met. Marche pas. Reste là. Non! Je double clic à chaque fois. Hein. Non! Ah! Non!
Non mais Myrta, connasse. Ensorcelé de quoi? Hein? Je suis obligé de me faire avoir? Mais non! Ça dégoûte de ouf? Ça giga dégoûte. En même temps, l'autre, elle se donne trop là, c'est abusé. Myrta joue trop mal. Comment je fais pour lui dire d'arrêter de faire des conneries? Non. Ça, c'est inesquivable. Ça. Mais bouge! Merde, c'est un peu overkill. Chiant. Debout! Mais bouge de là! Non, mais l'autre. Ça sert à rien. Allô? Allô? Ah bah enfin. Non. Putain. Ok, c'est la merde. Super. Elle l'attaque au corps à corps. Ça touche pas, ça vénère.
bouge-toi. Mais Myrta, t'es vraiment une fraude. C'est vraiment une fraude, c'est honteux. On s'en fout. Attends de rien faire. Faire bolos là. Hop là, tu ne touches pas. Nul. Nul, 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 nul. Laisse-moi tranquille. Wow. Ça, sérieusement. Ah, l'esquive passe. Boum. Boum shakalaka. Un double mandale par contre là fait pas du bien. Lumi par contre normalement t'es censé aider un moment. Je réussis. On s'en fout. Laisse-moi. On reste en défense. Super.
Un bain de boue. Timing parfait. T'es bientôt mort, raclure. La fée. Ouah, wow, 10 niveaux d'un seul coup. Alors, qui peut évoluer? Pas Jazz, pas Kay, pas Puck, pas Tincelle, pas Poupon, pas Tartare. Oui, une seconde. Où suis-je? T'as été possédé par un cauchemar, vieux. Je crois qu'il a fait toi un drôle de numéro pour tout dire. Pouvons-nous récupérer notre portrait maintenant? Taisez-vous, tout autant que vous êtes. Éloignez-vous de moi. Et si vous faites un pas de plus, je déchirerai votre précieux portrait en petits morceaux. La flûte alors. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Lumi? Je crois qu'il a toujours le cœur brisé. Je me demande bien ce qui lui manque. Ah, je sais. La même chose que la Sultorane. Il n'a aucune tempérance. Alors il ne peut pas s'empêcher de courir partout et de piquer des trucs, bon gré mal gré. Alors, on va trouver encore un peu de tempérance, c'est ça? Mais où allons-nous en trouver? Vachier nous a déjà offert une chienne. C'est dans ces cas-là que ta fiole est pratique, mon petit Oli. Non, ton maillot n'est pas si grand. On trouvera la tempérance en 2-3 mouvements. Mais commençons à chercher, alors. Je m'en fiche totalement de ce que vous allez faire du moment que... Cassez-vous! Barrez-vous! Le capitaine, là, il a pas de tempérance, là? Qui aurait de la tempérance? Qui ose? Ce crabe. Ah, est-ce que... Je peux demander à des crabes de... Qu'est-ce que je vais faire? C'est Barry Popette! Tu as l'air plutôt secoué? Quel est le problème? Wow, tu ne comprends pas. Tu comprends ce que j'ai dit? Kelvin, j'espérais que quelqu'un comme toi passerait dans le coin. Ça t'ennuierait de m'aider pour un truc? Quel genre de truc? C'est mon ami. Il a été baillé par une vague il y a quelques jours. S'il te plaît, trouve-le. Je le chercherai bien moi-même, mais je suis trop secoué. Je sais où il est. Eh bien, tu sais dans quelle direction il est parti, au moins? Une bonne question. Je crois que Romaré l'a emporté vers l'est. Mais je ne pourrais pas t'en dire plus. D'accord. Je me suis dit qu'avec votre navire, vous étiez les personnes idéales pour partir à sa recherche, vous savez. Je suppose. Très bien, monsieur le crabe. Nous allons chercher votre ami pour vous. Ouais, très bien. Passez-moi, je suis sûr que c'est une bonne nouvelle. Merci. Ok, donc le crabe, en fin de compte, c'est pas celui qui est tout là-bas. Du coup, les animaux peuvent nous passer des quêtes. C'est très embêtant, ça. Le maire pervers. Alors, c'est le gouverneur? C'est lui qui a de la tempérance à offrir? Mon cul, ouais. Évidemment, mon gars, c'est logique. Non. Imagine la patience qu'il lui a fallu pour les convaincre tous de la du concept du maillot de bain. Quelque chose vous tracasse, mes amis? Oh, je vois que vous ne portiez pas vos maillots de bain. Je vais devoir vous faire pampan cucu. Non, merci, monsieur. Pas du tout. Nous sommes sur le point d'embarquer sur un navire et de quitter la ville, voilà tout. Oh, un navire, vous dites? Alors vous êtes venu pour le voyage. Vous êtes pêché pour le voyage, je comprends. Ah, mais nous nous sommes fait voler notre laissez-passer royal. Et nous devons maintenant nous demander un service, monsieur le gouverneur. Oh, je suis désolé d'apprendre votre mésaventure. Que voulez-vous de moi? Si je suis en mesure de vous aider, je le ferai, mais bien sûr, avant tout...
mettez vos maillots de bain. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous avons besoin de votre aide pour sauver quelqu'un. Apporter son aide pour quelqu'un qui en a besoin. Voilà un bel objectif. Vos maillots de bain tout de suite. Chop chop. Mais pour l'aider, il nous faut votre force, monsieur. Ma force? Oui, monsieur. Nous devons lui rendre un fragment de cœur qui lui manque. Non. Une personne au cœur brisé dans notre ville, c'est impossible et tout le monde est à moitié à poil. Vous savez ce que c'est alors? Tip top. On va pouvoir faire ça rapidement. Comme vous le voyez, ce jeune homme ici présent est un magicien. Un magicien capable de réparer les cœurs brisés, rien que cela. Par la barbe du Tout-Puissant. Et la personne que nous voulons aider est devenue incapable de tempérance. Vous êtes si patient et si tolérant, gouverneur. Seriez-vous d'accord pour partager un peu de cela afin d'aider à réparer un cœur? Voilà qui est inattendu, mais bien sûr. Et dites-moi ce que je dois faire et je m'exécuterai. Génial. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Tip top. C'est parti pour le spectacle de là-bas. Mon petit Oli. Quel cœur? Le pouvoir de résister aux démons de la tentation. Les femmes, quoi. Quelle est cette curieuse sensation? Mon cœur est beaucoup plus léger d'un coup. Et j'ai changé de voix. Cela signifie-t-il que j'ai réussi à vous en faire partager un fragment? Absolument. Je vais y travailler, Oli. À présent, allons aider ce type au cœur brisé près du Kedak. Oui. Merci, monsieur le papa. J'espère te revoir bientôt à Port-Maillot, jeune homme. Voir ton petit cul bien moulé, ça me fait vraiment... Cassons-nous. Barrons-nous de ce malaise. Alors. Est-ce que lui va toujours faire chier? C'est bon, t'es calmé, connard? Mais c'est pas possible. Je croyais t'avoir dit de me laisser tranquille. Nom d'une loupiote, il commence sérieusement à me courir sur la lanterne. Règle-moi ça vite fait, tu veux, mon petit Oli? Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? なんだよ。どうせただの肖像画だろうが、そんなにムキになんなよ。それは大事なものなんだ。そっちこそ、なんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると少々都合が悪くてな。じゃあ分かった。こうしよう。俺が金で買ってやる。それでいいだろ。ダメだ。絶対売れない。それは必要なんだ。おお。どう必要なのか話してみろよ。話したら返してくれるの？Ça... Dougana. Pète-lui ses baguettes, là. Il y a des petites jambes. Pète-lui. Ouais. Omae, ma nante itta? Jabu o taosu nda yo. Minna no chikara de. Kenja-sama ni ooki na maho no chikara o manabu tame ni ya na. Kono Oliver wa ganbatturu chuu wage ya. Sa, hanashita yo. Kaeshite. お前たちがジャボを倒す？で、このハンサム賢者様を本気で協力させようってのか？うん。絶対に協力してもらう。バカか、お前は。どこから来んだよ、その根拠のない自信はよ。え、とちどっぱせ。今この世界にジャボに歯向かうってやつはいない。きっとあいつだって。え？あ、いや。とにかくそんなのは無理だよ。可能性あると思う。何？オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた。そして私も。ソロン？まさかあの大賢者のソロンか？ソロンは今や本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンは？本当だよ。まあいい。騙してばっかだったからな。たまには騙されてみるとするか。
案内してやるよ。そいつのところにな。え、知ってるの？ああ、ちょっとな。すごい。ありがとう。ジャイロだ。少年、よろしくな。少年じゃない。オリバーだ。おっと、そうだったな。じゃあよろしく頼むよ、オリバー。touche pas。私はマル。大妖精も雫や。じゃあ、いよいよ出航だね。なんかクブル。オリバー、なんかワクワクするね。Ah, musique pleine d'espoir, sûrement copyrighté. Oh, et tant qu'on y est dans les présentations, viens ici, toi. Il est hideux. Et voilà mon familier. Quoi ? T'as un familier ? Tu ne l'as pas volé, hein ? Non. Comme c'est aimable, c'est un familier légitime. Et je peux vous dire qu'il en a de la ressource. Facon ! Et son familier ont rejoint le groupe. Ce Facon ne m'inspire pas complètement confiance. Il nous cache quelque chose. Mais c'est génial d'avoir un nouveau compagnon de voyage. Surtout qu'il a un familier. Hé, je ne suis pas qu'un abruti avec un familier, hein. Et si je vous montrais ce que je sais faire d'autre, puisque vous avez l'air de me prendre pour un bon à rien. Ah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce coffre fera parfaitement la faille. Oliver, rapproche-toi de ce coffre, là-bas, d'accord? Et dis-moi quand tu l'as bien en vue. Je vais te montrer un truc, tu vas en rester comme deux ronds de flan. Un coffre. Tenez-vous prêts à être impressionnés, garçons et filles? Hé, c'est parti! Oui. Aïe! Bon, écoute bien. Tu vois comme je suis loin de ce coffre? Plutôt loin, non? Et je parie que tu es certain que je n'ai aucune chance d'atteindre. Eh bien, c'est ici que ma pétoire de pickpocket entre en scène. Tu n'as qu'à utiliser R pour verrouiller la cible, puis appuyer sur A pour tirer. Et c'est un peu comme bonjour. Et le truc sympa avec les coffres, c'est qu'ils ne font jamais la malle. Dans le milieu, on appelle ça une proie facile. Allez, ça passe ou ça casse? Ouais, il causait, ouais. Ah, je voulais choper le crabe. Vous avez obtenu une gemme pyroboule. Ah génial, c'est du vol. Pas mal, hein. Je ne me salis jamais les mains en m'approchant pour bidouiller directement la serrure. Les vrais professionnels visent depuis une distance confortable. Et merde. Les professionnels de quoi exactement? Oh, ça va bien les discours de Benny Oui-Oui. Ce serait bigrement pratique de l'avoir avec nous celui-là. Mes amis, nous allons bientôt lever l'ancre. Tout le monde à bord. À vos ordres, Capitaine. Et tout le monde, c'est parti. Entendu. Vous n'êtes pas du genre à traîner, vous autres, hein? Très bien, on se bouge. Tip-top. Merde. Tip-top. On va enfin voir l'océan. Commence à avoir beaucoup de voix, quand même. Attends une minute, mon pote. Tu grimpes à bord tout de suite? T'es sûr que t'es prêt, là? Partir en mer, c'est pas une expédition à prendre à la légère, tu sais. Demande un peu à ton oncle Dai. Mon oncle, c'est pas le tien. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah c'est bigrement dangereux, tiens. T'as intérêt à être en super forme et à avoir tout ce qu'il faut en réserve avant de mettre les voiles pour Otonia. Ah mince alors! Je crois que j'en ai rien à faire. Hop là. Osokatta na. Iroiro atte ne. Kocchi no junbi wa totonotteru. Dasu zo. Hai, senchō. Ikari wo ageru! Sashiburi no koukai da. Ude ga naru ze. Shikkō! Ugoita! Waku waku sunna! Mendokusa sou da na.
ジャボー殿、手こずっておられますな。困りましたな。あれだけ大見栄を切っておいて。火山の主にナイトメア、あの程度の力で倒せると思ったの？執行者としては少々手ぬるいのではないか。うん、その使命忘れてはおらんだ。してジャボー殿、次なる策はあるのですかな？は、次こそは私自ら手を下すことにいたしましょう。おお、そう来なくてはいけませんな。今さら遅いのではなくて？皆様静粛に。ではジャボー、お前に新たな力を授けよう。嵐を呼ぶ魔導の力。は、光栄に存じます。次こそは必ず奴ら。期待しているぞ、執行者よ。